Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Je salue tous nos frères qui sont connectés avec nous et les frères aussi qui sont ici. Ce matin, les ados peuvent aller dans les classes des ados. Amen. Donc, s'il y a des ados qui sont encore connectés au grand groupe, ils peuvent aller dans leur classe, enfin dans la classe qui est dédiée aux ados, ainsi que les enfants aussi, ils ne sont pas dans la classe des ados. Amen. Que le Seigneur soit béni. Je salue mon frère Jean-Philippe. Alléluia. Et je salue tout le monde. Amen. Ce matin, nous avons continué ce qu'on a commencé. Je m'étais promis de vous envoyer un petit résumé pour que vous ayez le fil conducteur. Mais je n'ai pas pu l'envoyer, mais il y a quelque chose à vous donner après. Amen. Amen. Vous essayez de vous aider à assimiler ou bien à suivre un peu le fil conducteur du message. Amen. Amen. Mais à force de répéter, les choses vont s'installer. Amen. Amen. Qu'est-ce que nous avons commencé à regarder depuis le dimanche passé? Nous avons commencé à regarder le sujet que j'avais intitulé « Vaincre les défis du temps présent en vue de l'extension des nouveaux cieux. » Amen. Amen. Vaincre les défis du temps présent en vue de l'installation des nouveaux cieux. Ce n'est pas pour un titre mystérieux, mais c'est pour vraiment éveiller notre conscience, comme le disait votre frère, notre Pierre. Amen. Et avant de poursuivre, j'avais comme dit que ce sujet-là, c'est un sujet qui est capital. Et je bénis le Seigneur de ce que le Seigneur nous a dévancé, mais pas dit, il a dévancé le message dans le sujet de prière. Amen. Et même avant dans le sujet de prière, j'aimerais le frère et la sœur Sandra parler de le diable a pris sa position dans le ciel. Michael et ses anges, ils ont vécu le travail et ses anges. Et puis il est dans mon cœur. Comme si ce matin, on était en communion ensemble. Alléluia. Et peut-être même à la commencer le message, j'étais encore dans la joie de dire Seigneur merci, parce que tu veux nous conduire vraiment dans ce esprit-là. Amen. Il est important parce que nous avons besoin de cette clarté, de comprendre ce qui se passe. Si on ne comprend pas ce qui se passe, on ne peut pas se préparer pour être à la hauteur des défis, des combats que nous sommes présentés à nous. Vous voyez, combien d'entre nous étaient prêts à faire face à la pandémie? Qui savait? Tout le monde était là. Et c'est de façon brutale, de façon radicale. Ça s'est produit. Maintenant, tu veux donner un chant. Ils sont capables. Même quand ça ne suit pas. Parce qu'ils sont en présence du Seigneur, comme le disait tantôt dans la prière. Le Seigneur vient confirmer les événements dans lesquels ils sont. Et ils sont capables de faire les liens. Pourquoi? Parce que dans chaque génération, Dieu s'organise pour qu'il y ait des hommes vivants pour attester ce que la foi est en nous. Dieu le fait, mais chaque génération a des gens qui sont vivants. Et puis, ça teste ce que le prophète nous dit. Nous, on veut de cette génération. On veut être de cette génération pour le lit d'apprendre. Cette parole de l'écriture, après la virgule, c'est qui est ici, là, dans la montée aujourd'hui. Alléluia! C'est glorieux. Et Dieu le fait comme ça. Tout le temps. Que le Seigneur bénisse sa parole. Donc, on rentre dans ce sujet-là. Le Seigneur a voulu nous donner, comme il a commencé à le faire, au ministère, ils nous ont donné, nous ont partagé des paroles, ils continuent de nous donner des outils, des éléments qu'il faut pour qu'on ait une clarté,
dans ce qu'on engage. Et ce sujet-là, il coupe beaucoup de dimensions, mais le Seigneur m'a donné les points des axes. En disant, dès que la définition est présente, envie de l'installation du royaume, on a pu le temps d'expliquer en fait l'installation du royaume, ça consiste en quoi? L'installation des nouveaux cieux, ça consiste en quoi? Dieu est fait de Dieu. On a pas l'impression que ça va juste pour les tests. Je vais dire quoi? Il nous parle de nouveaux cieux, il nous parle de nouvelles terres. Ça paraît d'une façon. Mais au temps de Noé, quand Noé, l'indicateur de la justice, quand il a annoncé l'évangile, selon lequel Dieu envoie une grande lumière, justement, mais il y a un abri, Dieu vous donne de l'entrée dans l'arche. Quand Noé fait cher, Noé est en train de dire un nouveau ciel, un nouveau texte. Mais ce qu'il a fait au temps de Noé, là, il est pour lui. Mais quand on le dit, on se dit, comment tu peux dire? D'abord, on a envie de faire ici. Ils vont commencer à dire ça. Et puis, on te met la porte. Mais quand Dieu fait quelque chose, Dieu se organise pour les plus qu'elle. On garde ça ici. Amen. Et on a donné beaucoup de choses pour les négocier. Je vais prendre quelques éléments que je vais rappeler avant de continuer. Donc, le dimanche passé, on a mis l'accent sur les nouveaux cieux et je vous dis quelques points ici en disant que Dieu a commencé à construire les nouveaux cieux avec la venue du Seigneur. Dans le jour des affaires, dans Marc 1, verset 15, il est dit que le bon esprit est proche de votre esprit. Donc, le Seigneur a inauguré les nouveaux cieux. Mais depuis le Seigneur qui sont aujourd'hui, ça nous fait 2000 ans. Environ 2000 ans plus pour les touristes, on a 2022, mais disons 2000 ans, 2000 ans plus. Amen. Donc, on n'a pas de faire nécessairement la comptabilité. Mais on en sait, quand on dit autre chose, il y a des gens qui ont fait une par le passé, par l'esprit de la prophétie. Donc, ça fait qu'on est attentif à tout ce qui se passe. Avant de l'an 2000, la personne a annoncé beaucoup de choses. Mais Dieu a sa propre réponse. Quand on a vu avec Israël dans la Bible, ce pays a été passé de, on va dire, des nations. Et comme le Seigneur a dit que je vais avec Israël, c'est pour l'autre pays par les nations. Jusqu'à un moment, ils seront restaurés. Et Israël a commencé à rester. Mais ça ne fait pas dans ce jour. Amen. Donc, on est vraiment à l'époque de la restauration d'Israël. Donc, c'est quoi le Seigneur dit dans Matthieu 21? C'est un peu de sa copie. On a dit ça pour tous Dieu. Vous comprenez? Mais Dieu a besoin d'une génération qui comprend et qui va rester. Vous dites cette parole de Dieu. Pourquoi la nouvelle génération des gens qui sont sur le point de ça? Amen. Amen. Mes amis, les gens sont prêts à se consumer. C'est une certitude. Et donc, Dieu va achever l'instauration des nouveaux cieux avant de commencer l'établissement de la nouvelle terre. Alléluia. Amen. Dieu va achever l'instauration des nouveaux cieux avant de commencer. Qu'est-ce que je lui dis? Quand on lit Apocalypse 21, le verset 1, on a lu, c'est pas des sujets qui ne sont pas plus évidents, mais des fois, ça prend le temps de s'asseoir et puis de rester comprendre tranquillement. Amen. Que Dieu nous aide. Et d'abord, Apocalypse 21, le verset 1. J'ai vu le verset la semaine passée. Je vais juste mettre encore un petit coup là-dessus avant de continuer parce que ça nous donne de la visibilité par rapport aux choses qui sont viennent.
Alléluia. L'Apocalypse 21, le verset 1. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, et puis je vis de nouveaux cieux. Amen. Donc, je vis de nouveaux cieux. Les gens qui sont allés voir, c'est des modèles qui parlent. Amen. Dans la version ici, on dit, je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Donc, je vis dans notre version, dans notre verset, passage, qui sont en communion avec ce passage-là, qui disent les bonnes choses, on parle sur un nouveau ciel. Amen. Tout ça, c'est dans un langage, mais ça se comprend. Ce verset ici, là, c'est la conclusion du chapitre 20. Dans le chapitre 20, ce qui va se passer, c'est l'ange du millénium. Là, il est mis. Donc, c'est un jour. Amen. Mais on entre dans l'âge des mineurs avec l'instauration du royaume. Quand le royaume est établi, quand le royaume est installé, les mineurs commencent. Mais les mineurs commencent. C'est pour venir récolter la terre. C'est pour venir mettre un travail sur la terre. C'est pour que les cieux exercent le ministère sur la terre. Donc, le nouveau ciel, et la nouvelle terre, ce n'est pas le même jour, ça n'est pas le même temps. Mais comment on sait ça? Quand il disait que quand Dieu fait quelque chose, il n'a jamais fait ça par le passé. On sait ça avec la Genèse. Avec Genèse, chapitre 1, nous explique. On dit comment Dieu crée les cieux et la terre. Mais à partir du verset 3, quand on commence à expliquer comment Dieu crée le ciel et la terre, le ciel, il fait d'abord venir la lumière. Il fait venir dans la lumière. Or, Jean, qu'est-ce qu'il a dit de Jésus? Il dit quand Jésus est venu, il était dans la lumière. Qui éclaire tout homme venant dans le monde. C'est-à-dire que même tu sois un professeur d'université, que tu sois quelqu'un qui travaille à la NASA, qui est intelligent, qui connaît beaucoup de choses, tu dois te éclairer par lui. Amen. Parce qu'il est dans la lumière, Jean dit qu'il éclaire tout homme. Toutes les personnes nées de Adam, il est dans la lumière. Amen. D'un bien inaugurer le travail qui va permettre de faire le ciel. Donc, le ciel, là, Genèse nous dit que ce troisième jour, que les cieux ont été achevés. Le deuxième jour, ça. Deuxième jour, que les cieux ont été achevés. Et c'est le troisième jour que Dieu va commencer à faire. Donc, le ciel et la terre ne seront pas le même jour. Amen. Je dois vous dire que les lois qui sont dans le cosmos nous enseignent que c'est le ciel qui bénit la terre. C'est vrai. Et donc, le ciel, c'est le peuple. Le ciel, c'est l'église. Et le reste, c'est l'humanité. C'est aussi un peuple qui va suivre. C'est la terre. Mais Dieu n'avait pas attaché ces aspects-là. Il avait déjà commencé à faire ce qu'il avait avant que ces choses arrivent. Alléluia. Avant, elle avait un alliance avec trois femmes pour venir expliquer tout ça. Alors qu'on voyait Sarah, qui est la mariée, qui est la légitime, qui devait rencontrer
Il y a comme eu, qui parle à la manière des hommes, le Seigneur qui a comme rétabli un peu l'enfantement d'Isaac, l'accouchement d'Isaac. Et il a laissé faire, qui parle à la manière des hommes. Agar est rentré dans le jeu. Mais Agar vient d'Israël. Mais la parole d'Israël se comporte. Ce n'est pas conforme à ce que Dieu s'attendait. Mais il laisse faire. Parce que ce qui lui a promis à Abraham, c'est Isaac. Amen. Mais quand Isaac vient, on dit à Agar et à son enfant Israël, il était là pour une femme. Mais ta cible est pour nous. Et on va voir Sarah et Isaac. Parce que c'est leur temps, c'est pour eux, ce temps. Alléluia. Amen. Mais là, quand ils vont finir, ça sera le temps bien d'autres de que tu as et ses enfants. Mais c'est parce que ça nous enseigne. Donc, Agar a rencontré, Ismaël a rencontré, Moïse a rencontré la mort. Pour un temps. Mais quand j'étais revenu, après c'était Sarah, c'était l'alliance de l'Égypte qui commençait. Mais pour un temps, quand il va finir, je laisse à tous les points. Il dit, la septième promesse de bénédiction, il dit par toi, tu peux dire, tu ne peux pas m'y aller. Donc, c'est précieux qu'ils vont dire. Je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce n'est pas en même temps. Le ciel va se taper. Il va faire du travail. Papa, je suis bien. Et quand le travail sera achevé, il aura une nouvelle vie. Amen. Donc, quand parlons de Dieu, nous sommes en train de parler du qui va envers le lieu. Ou bien qui va s'engager dans la période où le royaume doit s'installer. Avant qu'on commence les 1000 ans, il y a une bataille qui va s'engager. On n'est pas dit les dernières batailles vont s'engager. Le ciel sorte, le ciel achevé sort. En vue de commencer le travail sur la terre pour 1000 ans. Ayons cette épée là dans la tête. Ça va nous aider. Le ciel, c'est un peuple. Le nouveau ciel, c'est un peuple. C'est l'Église. La nouvelle terre, c'est un peuple. C'est le reste de l'humanité. Ceux qui sont pas dans le peuple. On va rentrer dans ça un peu plus en détail dans d'autres circonstances. La nouvelle terre aussi, on a dit que c'est un peuple. Donc, de même que Jérémie chapitre 1 nous parle des cieux qui, on va dire, là, c'est parce qu'on commence à voir un peu plus loin. On peut dire avec notre coup de la parole que le travail des cieux, c'est le Dieu de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Mais quelqu'un dira que non, c'est Dieu de Dieu, c'est Dieu de Dieu. On est d'accord avec ça. Mais quand on se prend grand investissement dans la prophétie, la lumière, la terre, que le ciel sort. Alléluia. Et quand le ciel sort, le ciel va commencer à faire. Et c'est un peu difficile. Donc, quand on voit cette promesse-là, on a dit aussi que, à chaque fois qu'on vient vers une promesse, il détruit des réponses. Jean a dit, bien aimé, nous sommes vraiment dans Dieu. Mais ce que nous sommes là, nous ne pouvons pas te manifester, nous ne pouvons pas te révéler. Mais quand ça va te révéler là, tel qu'il est, nous le verrons, tel qu'il est, parce que nous sommes dans la vie. Amen. Mais le verset 3 dit, quiconque a cette espérance là, c'est plus fini. Donc quand nous sommes pour les choses, il s'attend à ce qu'on fasse des choses. C'est une des sources de vie qu'on doit garder. Amen. Il a promis les choses à Abraham. Il dit, verset 18 à 19, il dit, Abraham s'en va pour devenir une grande nation. Je vais paraphraser. Abraham s'en va pour devenir les cieux. Je vais paraphraser. Abraham s'en va pour gagner la terre pendant 1000 ans.
mais il ne casse pas les yeux d'Abraham. Parce qu'il faut que Abraham ait la connaissance du cas pour être en phase avec la pensée de Dieu et exercer ce que Dieu veut. Amen. Que Dieu nous aide. Parce que Abraham, c'est une grande nation là. Marche devant moi, il faut être disant tel. Pour que je passe par, j'accomplisse toutes les promesses que je t'ai données, je t'ai dit, pour que tu sois, pour que tu marches, pour que tu enseignes la justice à ta postérité, à tes enfants. Tu leur enseignes la justice et la droiture. Pourquoi est-ce que j'ai promis là, tu puisses rentrer dans tes enfants? Amen. D'abord, le Seigneur dit quelque chose, il attend les attentes. Quand il donne une promesse, il attend les attentes. Donc, vaincre les défis du temps présent en vue de l'installation d'un nouveau ciel, ça nous amène à considérer les versets qu'il avait donnés, les versets de base qu'il avait donnés, à regarder Apocalypse chapitre 8, le verset 7 au verset 12, qui nous donne, j'ai envie de dire, une image assez forte des défis dans lesquels nous sommes dans ces temps de la vie. On va même pas commencer à parler là de matin. Apocalypse, le verset 17. Et le Père du ciel, les chefs de ses anges ont bâti contre le dragon, et le dragon et ses anges ont bâti. Mais il ne fut pas le plus fort, et leur place ne fut pas trouvée dans le ciel. Et il fut précipité le grand dragon, le serpent ancien appelé le diable Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre, et cet homme fut précipité avec lui. Et il entendit dans le ciel une voix forte qui disait: maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il est précipité l'accusateur de vos frères, celui qui les accusait devant votre Dieu, vous et lui. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la fin de la mort. C'est pourquoi réjouissez vos cieux et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Amen. Ce passage de l'Écriture-là, c'est nous avons tous nos yeux. Et nous bénissons le Seigneur, et nous sommes cette génération-là qui peut dire, ah, ce qui est ici, ça quand même, vous voyez, ça vous pique. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse cette génération-là. Qui est en train de voir des choses qui ont été annoncées depuis des années, pour ne pas dire depuis 2000 ans. Et donc, il est en train de voir sa position, monsieur. Pourquoi nous disons ça? Là, la grande question. Alléluia. Pourquoi nous disons ça? Il n'est pas permis aux hommes de déterminer ce qui va se passer. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est lui à qui il a été dit d'être digne d'ouvrir le livre et de rompre les sceaux. C'est lui qui a l'autorité de nous dire comment Dieu achève son plan de rédemption. Parce que quand on cherche quelqu'un, on dit qu'il y a une personne dans le ciel, à la personne sur la terre, il y a une personne dans les sceaux, dans les mers, il y a une personne dans la vie, il y a une personne. Donc, celui qui a été trouvé digne, celui qui a les attaches, celui qui a les sceaux, les sept sceaux, et celui qui est puissant,
Donc, tant qu'il n'a pas brisé, un homme ne peut pas s'élever. Et puis, quand il dit, c'est comme ça, parce que c'est terminé. Amen. Mais il faut qu'on les ouvre à l'église. Donc, quand on lit Apocalypse, on voit que le Seigneur les a brisés. Mais au moment où les brise, il y a une dimension qui est prophétique. Et puis, il y a une dimension aussi qui est réelle. Dans le sens que, il y a des générations qui vont voir, qui vont dire à quel moment, quelle source brise. Vous me suivez? Maintenant, quand le Seigneur n'a pas brisé, on ne peut pas rentrer. Si on se met dans le temps, les 2000 ans, c'est sûr que le Seigneur a brisé les sous à des moments donnés, les différents sous à des périodes données. Ce que je vais dire, c'est que dans la ligne du temps, quelqu'un ne peut pas rentrer dans une révélation, dans quelque chose, si l'époque dans laquelle il était ne se pas fait briser. Parce que c'est le Seigneur qui a brisé toutes les choses. Alléluia. Ça, c'est important. Mais quand le Seigneur est brise, c'est là que le principe de l'entrée. Je m'en viens. Hein? Alléluia. Nous sommes dans cet événement-là. Parce que les versets que nous lisons ici, là, nous disent, notamment le verset 10 nous dit que plus on vit dans le ciel, plus une voix puissante qui disait, maintenant, le salut est arrivé. Maintenant, notre Dieu a manifesté sa puissance et a instauré son règne. Maintenant, son Messie a pris l'autorité en main, car l'accusateur de nos frères, celui qui jour et nuit les accusait devant Dieu, a été jeté dehors du ciel. Quand on lit cette parole-là, dépendamment de la période dans laquelle tu te trouves, tu ne peux pas savoir si tu as accompli ou pas. Est-ce que cette parole a été accomplie il y a peut-être 500 ans, il y a peut-être 200 ans, ou bien aujourd'hui? C'est difficile, si on ne t'a pas dit. Alléluia. La façon dont Dieu fonctionne, la façon avec laquelle Dieu travaille dans l'église, il y a la parole primaire qui est la parole de Christ. Et la parole secondaire qui accompagne la parole de Christ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour que tu puisses savoir que la parole primaire, elle vient dans un accomplissement, ça va être une confirmation secondaire. Ils étaient là pendant qu'on s'appelait Jésus dans le temps. Mais Siméon, qui attendait tous les enfants qui passaient pour consacrer, il était capable de dire, mais ils sont tous. Parce que ce qu'Ésaïe a dit, il était venu en son temps, sa parole primaire. Ça permet une parole secondaire qui s'assoit dans la parole primaire, qui attend l'accomplissement de la parole primaire, pour venir confirmer que la parole primaire. Elle s'en fout. Quand tu veux que les choses t'annoncent, ça t'annonce. Et quand ça arrive, il le confirme. Et quand le confirme, va le confirmer par plusieurs personnes. Si moi, je n'étais pas seul, la prophétesse a venu avec la parole du Seigneur aussi pour confirmer que, en effet, ce que Esaïe a fait, c'est vrai. De même, Dieu nous a donné des Siméons aujourd'hui. Alléluia, il a donné des Anne. Parce que Dieu le fait à chaque époque, à chaque génération. Dans le Seigneur. Et en vertu de cette façon de faire là, que le Seigneur a annoncé à son peuple que nous sommes rentrés dans l'accomplissement de ces choses-là. Amen. Maintenant qu'on ramène ça à la notion de l'installation du royaume. On sait que le royaume va s'installer après les 2000 ans. Et donc, nous
nous sommes en train de rentrer dans une zone de impasse. Ou même, en regardant et lisant ce qui se passe dans l'actualité spirituelle, nous sommes petits. Tout le convergé sur le fait que, après sa vie distante, le royaume est en train de s'installer, le royaume est venu. Amen. Et c'est ça que Dieu a commencé à annoncer, que le Seigneur a commencé à revenir dans les églises, dans les assemblées, que le Seigneur a commencé à faire soi comme message. Il dit ici qu'il y a eu bien dans le ciel, le verset 7. Aujourd'hui, nous on peut dire ça. Mais quelqu'un va venir dire ça, et puis il va dire non, ce verset-là, c'est à l'aide. La guerre ici, là, c'est Satan. Quand il a péché dans le ciel, et puis il a été chassé, là, c'est de lui, on parle ici. Donc, arrête de nous raconter des choses qui ne sont pas écrites dans la Bible. Amen. Apocalypse, chapitre 12. Ne nous réfère pas à l'histoire de la chute de Satan ou d'une quelconque rébellion. Apocalypse, chapitre 12. Ça commence bien avec une femme qui a développé. Amen. Elle a développé. Elle a enseigné. Elle a les pieds sur la lune. Elle a enveloppé le soleil. Elle a une couronne sur sa tête de 12 mois. En ailleurs, il faut dire beaucoup de choses là-dessus. Donc, dans la première chapitre 12, on nous parle des expériences que Dieu n'a pas vécues, mais que l'Église est en train de connaître. Il n'est pas question, dans la première chapitre 12, de l'histoire de Satan et ses démons lors de sa venue. Il y a une guerre entre Michael et ses anges. Il y a une guerre entre le dragon et ses anges. Ce passage-là ne doit pas faire de polémique. Parce que Michael, là, c'est le Seigneur. Ses anges, là, ce sont les croyants. On va l'expliquer. Michael, là, c'est le Seigneur. Et les anges, là, ce sont les croyants. Mais c'est dans quel regard qu'il nous parle. Le Seigneur, quand il vient vers nous, quand il s'envoie lui-même, pourquoi le Seigneur s'envoie lui-même? C'est la question qu'on a dit. Le Seigneur, il a envoyé des anges plusieurs fois. Il a envoyé des serviteurs plusieurs fois. Il a envoyé des hommes plusieurs fois. Le Seigneur, ce n'est pas Seigneur. C'est qu'il y a une différence entre les anges, les serviteurs, les hommes et Dieu. C'est qu'il y a toujours une perte entre ce que Dieu veut et ce qu'il faut. Monsieur, amen. La raison, elle est simple. Elle est simple parce que Dieu, il est la plénitude de la sagesse. Donc, en lui, là, c'est la sagesse totale. Mais dès qu'il fait quelque chose, dès qu'il envoie les anges, il envoie les hommes, quand les hommes viennent et les hommes le font, il y a une perte entre ce que Dieu veut et ce que les hommes font. Donc, à des moments critiques, lui-même, il s'envoie. Et quand il s'envoie, les Écritures appellent même Dieu l'Éternel. Ou bien des fois, on a parlé le nom de Michael. Pour venir comme donner des images pour expliquer le contexte dans lequel elle est venue. On a vu Apocalypse, on a vu qu'elle avait vu sur la manière de Michael. Mais c'est une image de ce que Dieu va faire. Amen. Michael est venu comme Dieu. Amen. Donc, ce que Dieu fait aujourd'hui, là, il a déjà fait sa vie par certaines façons. Jusqu'à ce que on rentre dans la perfection de ce que Dieu a besoin de faire.
Michael, là, c'est le Seigneur qui s'envoie lui-même et qui a la tête de sa troupe. Et les anges, ce sont les croyants. De la même façon, le dragon, le chapitre 12 le décrit, c'est le serpent ancien, c'est le diable, c'est l'accusateur. Les anges de Satan ici, là, ce ne sont pas des anges démons. Ce sont des anges des hommes qui sont au service des anges. Et donc, c'est une guerre qui se fait égal à égal. Vous me comprenez? Égal à égal. C'est un corps à corps. Mais de la même façon que nous, les croyants, nous sommes soutenus par les anges esprits, les autres démons, hein, les autres anges de Satan, ils sont aussi soutenus par les démons. Donc, l'enjeu de la guerre, de l'Apocalypse, c'est une histoire d'une guerre, l'enjeu de la guerre, c'est pour prendre le contrôle du ciel. Monsieur, il y a une guerre parce que il y a un enjeu ici pour contrôler le ciel. Le ciel là, c'est symboliquement la position de domination. On parle nécessairement du ciel qui est maman ou pas. Le ciel ici nous parle de l'environnement dans lequel l'Église opère. Nous parlons de l'environnement dans lequel le ministère opère. Pourquoi? Pour que le Seigneur fasse sortir la nouvelle terre. Non, plutôt, le nouveau ciel. Le nouveau ciel. Amen. Parce que la nouvelle terre ne peut pas sortir tant que le nouveau ciel n'est pas sorti. Amen. Regardez, on va dire quelque chose. Quand on lit, par exemple, à tout le chapitre 1, prenons le verset 1. Ce sont des sujets qui ne sont pas faciles parce que la compréhension qu'on a toujours eue n'est pas toujours comme ça que nous devons produire. Donc, il y a comme une perte. Hein? C'est que Dieu veut plus souvent, on comprend. Mais le Seigneur est en train de corriger ces choses-là. Amen. Le verset 1 nous dit, un grand signe apparu dans le ciel. Nous sommes dans le ciel de l'Église. Le verset 3 dit, un autre signe encore, un autre signe apparu dans le ciel. Nous sommes dans le ciel de l'Église. Mais les Écritures nous disent que même dans le ciel de l'Église, là, il y a des niveaux. Éphésiens chapitre 2 nous dit, regardez, c'est très 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 petit peu de comprendre ces nuances-là. Verset 6, il dit, il nous a ressuscité ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc, quand Dieu nous parle du ciel de l'Église, du lieu d'opération de l'Église, du lieu où le Seigneur administre et fait son travail perfectionnel de l'Église, nous pouvons parler aussi des cieux de l'Église. Amen. Et l'enjeu ici, c'est qui va contrôler le ciel. Parce que celui qui va contrôler le ciel, là, l'âge a venu la partie. Vous me suivez? Amen. Celui qui va contrôler le ciel, là, l'âge a venu la partie. Mais comme le ciel est attaché à ses affaires, il n'est même pas possible que le diable contrôle le ciel. Cependant, il est dans le ciel. Regardez dans l'église des prières. Regardez dans l'église des prières. Quand on lit ça, c'est effrayant.
Dans Apocalypse chapitre 2, le passage de verset 13, il dit, je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom. Tu n'as pas renié ma foi. Même aussi quand tu passes le démon Pierre, qui était mis avant chez vous, là où Satan a sa demeure. C'est fort. Là où Satan a sa demeure. On a dit dans le ciel, là, c'est le lieu de pouvoir. Et donc, si Satan a son trône à l'église des Bergamas, ça ne veut pas dire que je dis ça, ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est plus Seigneur. Il a pris le niveau dans le ciel. Mais il est dans le ciel des débuts de Bergamas. Là où les débuts de Bergamas, au Père, il est assis là. Le niveau de spiritualité de Bergamas avait là. Satan a pris le contrôle de ça. Mais de quelle manière la présente? Il a pris le contrôle de Pergame avec le bon de Pergame. Et Barabba était son véhicule. Était Barabba était son ange. Vous me comprenez? Balaam était son ange à l'église de Pégane. Donc, il opérait avec Balaam. Mais Balaam est mort il y a longtemps. Mais qu'est-ce que Balaam nous a fait ici? On a dit que ce que Dieu fait aujourd'hui, il a déjà fait. Mais c'est prophétiquement que lorsqu'on lit Apocalypse chapitre 3, on comprend que dans Marc 22, là, quand on parle de parole, le même esprit qui agit là-bas, c'est le même esprit qui agit ici. Dans Marc 22, et je vais ouvrir une porte sur le défi auquel il est question ici. Il y a trois axes et il y a trois chemins. Le défi va venir avec trois chemins. Le premier chemin là, c'est de s'occuper du ciel. Comment prendre contrôle du ciel? C'est le dragon lui-même là qui va s'appeler ce type-là. Donc, dans l'église, il va s'assurer que le ciel là, il est là, que son trône s'assure dans les cieux. C'est le premier axe. C'est le plan qu'il a réussi à rentrer dans l'église de Pergam. Mais il s'est essayé. C'est pas même comme ça qu'il est rentré. Il s'est essayé de le faire. Mais même comme vous êtes solide, parlant, vous ne pouvez pas venir. L'ange parlant, vous ne pouvez pas venir là-bas. Ce n'est pas possible. Il s'est bien aussi. Attends, on a fait ça. Non, si. Mais il n'a pas pu rentrer. Il a précipité. Mais quand il a réussi avec les gars, il s'est passé. Et l'ange, il est bien occupé. L'ange est bien à ce côté pour combattre. L'esprit des paroles. Ça veut dire quoi de telle parole? J'ai dit qu'il y a trois axes. Il y a l'axe du ciel que le dragon va regarder. Mais quand on lit Apocalypse chapitre 12, le verset 12 nous dit quoi? Le verset 12 nous dit. Amen. Il dit, réjouissez vos cieux. Alléluia. Et vous qui habitez dans les cieux, malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les trois éléments qui sont ici là, cieux, terre et mer, ce sont des espaces à infini. Mais le diable peut s'assurer d'avoir le contrôle de tout ça. Pour dominer. Mais ce qu'il n'a pas compris, c'est que le Seigneur ne peut pas le décider. Le Seigneur l'a fixé dans sa tête là, depuis Genèse 1, verset 27, où il a béni l'homme et il a dit, toi, tu vas dominer, tu vas écraser. Le Seigneur ne peut pas le décider. Donc le Seigneur a un produit qui est ferme dans sa tête.
Et il va bien se distinguer. C'est pour cela que quand c'est chaud, il va lui dire ce qu'on voit. Alléluia. Quand tu as dit là, le seul que vous voulez là, c'est fini qu'il voit. Moi, dans mon programme, on a passé mon cœur. Donc, le Seigneur vient avec ses anges. Il prend le guérison. Il engage la guerre. Il engage la bataille. Mais pourquoi il engage la bataille? Parce qu'il vient payer. C'est que Satan a commencé à faire dans l'église, dans la famille de toi, tous les dégâts qu'il a fait. C'était un printemps. Un mois de grève, vous souvenez quand on parlait de Babylone. Toujours vous prêchez Babylone. Mais en fait, le message de Babylone, tu n'as rien d'autre qu'un aspect de l'axe du mal que Satan contrôlait. Il contrôlait dans l'église, il voulait contrôler. Il va tout contrôler dans la famille. Mais, dans la vie que nous faisons là, il y a une partie des églises des croyants dont le sou fait. Et puis, il peut dire à sa femme, mon mari, tu as placé les gens, tu as dit, mon mari, fini! Ils ont la connaissance de ce qui se passe. Et ils connaissent les limites de sa femme. Ils disent que c'est terrible à la tête de Dieu. Parce que les gens sont tous. Amen. Donc, la bataille est engagée dans telle hauteur du ciel. Il a été précipité. Mais quand il a été précipité, il est précipité. Parce qu'aujourd'hui, dans l'église, il y a des anges, on va arriver en verset, il y a des anges qui sont dans l'église, qui peuvent trouver Satan. Et qui savent qu'il n'a plus de autorité dans l'église. Et ils savent. Ce qu'il attend de toi aujourd'hui, c'est que parce qu'il a été précipité, il est en train de se réinventer pour prendre le contrôle de la terre, pour prendre le contrôle de la mer. Et si tu dis que le roi ciel, c'est parce que celui qui s'essayait, qui voulait dominer, qui s'était régné là, son test libre. L'Église qui opère dans le ciel de Dieu et qui a dénoncé l'ennemi, qui a dénoncé Satan, c'est l'Église-là qui est en train de donner cet niveau, qui est capable de voir Satan qui est précipité, où il est en train d'aller, où il est en train de tomber, et comment il va continuer de tomber jusqu'à aller dans la Bible, jusqu'à même à être lié. Et je dois être mis dans le feu. Il y a un agenda pour lui. Mais sachant que la Bible dit que lui manque peu de temps, qu'est-ce qu'il fait? Il va essayer de détruire au maximum dans la mer et sur la terre. Donc le deuxième axe, après chapitre 13, verset 1, il va se réinventer. Ce qui est bénissable dans ça. Il va se réinventer dans la mer. Il va devenir comme un monstre, comme une bête. C'est la bête qui sort de la mer. Et cette bête-là, qui sort de la mer, a un programme aussi. Ça parle des nations. Ça parle du système des nations. Et je dis au point, tout ce parle de démocratie. Tout le monde est le dragon. Dragon. Quand j'ai l'air dans la route, les missions, ça dépend de l'équipe qu'on fait. Il y a une certaine forme de démocratie qui fait qu'aujourd'hui, on a une certaine unité. Donc, je ne pourrais pas parler de l'unité. Mais, en réalité, c'est une division internationale. Sinon, quand on n'avait pas dit au Seigneur, au nom de l'État du Seigneur, qui dit à la résolution, tu ne peux plus te donner, tu ne peux plus te donner. En fait, c'est quoi? C'est parce que le roi de l'intérieur.
Mais particulièrement dans cet homme avec lequel on est, il va faire du travail. Il avait un peu la gestion du corona avec le vaccin. Il a dit qu'on le voit, ça va revenir. On a rien dit, c'est quoi la place, c'est petit. Mais ce qui s'en vient là, c'est qu'il ne l'a pas en ce moment là. La couronne sur ses corps. Parce que ça veut dire la nappe qu'on a vu. Dans le tout là, avec le tout de l'animal qu'on a vu, qui avait cette tête, c'est le tout animal qu'on voit dans le presse. Mais il y a des différences dans la description. Il t'avait couronné ses corps, mais ses corps dans ses corps. Le corps, c'est le symbole de la puissance, le symbole de la vitalité. Il travaille pour avoir la légitimité de la vitalité. Mais quand il va avoir ça, il va avoir beaucoup de dégâts. Mais pendant qu'il travaille à ça, en parallèle, il fait un travail cardiaque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que. C'est une image du leadership. Du spécialiste qui a décidé. Donc, dans la place de l'Église là, qui a décidé là, les leaders ou bien, je ne sais pas si vous dites les apôtres ou bien les ministères de Satan seront à sa merci. Ceux-là vont travailler pour lui. Vont travailler pour la même personne qui va venir. Parce que quand on lit ça, on voit que elle faisait tout pour qu'on adore la merci. Mais c'est une partie de l'équipe qui a été séduite, qui sera, je vous le dis, de la même façon que. Voilà. A pris le contrôle de Balaam. Et puis il a dit toi, maudit Israël. Et il a donné des honneurs, il a recouvert de l'eau pour le présent. Il a dit, pour le présent, la parole. C'est pas ce travail-là. Et donc, on a dit que dans le temps, dans le temps, nous sommes. Quand la parole qui dit malheur à la terre et à la mer va s'accomplir, le même esprit-là sera lui. Donc, ce que Satan fait, c'est quoi? Et quand il a perdu l'axe du ciel, il ne peut plus rien faire dans la réalité de l'Église. Il ne peut plus agir dans l'Église. Il ne peut plus venir séduire l'Église. Il ne peut pas être parti de l'Église qui a compris là. Donc, il va passer par les nations. Donc, par le royaume de la terre. Donc, par la paix qui sort de la mer. Mais, il ne peut pas être efficace. De Balaam. Son Balaam a lui, là, c'est la paix qui sort de la paix. Et la paix qui sort de la paix travaille pour lui. La paix qui sort de la paix, c'est là, c'est son. Ne vous étonnez pas. Si vous voyez des gens qui s'élèvent, et puis on dit non, que l'Église a pris position, maintenant, vous comprenez que tous les hommes sont des gens égaux. Donc, on peut laisser les gens de lui se marier, c'est pas grave, parce que ben, c'est ça, il faut qu'ils mourent. Comme c'est l'Église qui a parlé, donc, on peut peut-être en changer. Ce sont des prédictions. Il faut que les distraire les gens. Et il y a des alliances qui se font dans le côté religieux. Il y a de l'argent qu'on donne aux gens. On le coupe d'honneur, comme Balak a fait à Balak. Le contrôle de cette sphère. Donc, on dit que l'ennemi est en train de travailler, ça travaille avec des anges. Ce n'est pas des anges des morts. Il travaille avec des hommes qui sont à sa merci. De même que Michael, il travaille aussi avec des hommes, des ministères qui sont pour lui. Amen. Donc, il est bien dans le ciel. Parce que l'enjeu est de contrôler le ciel. Gloire à Dieu.
Parce que le Seigneur se suit pour nous. Le ciel en notre nom. Il y a un peuple qui a la vie. Il y a un peuple qui va avoir le royaume. Il y a un peuple qui va le royaume. Il y a un peuple qui s'attend au royaume. À la supérieure, à la délivrance. Ce peuple-là, il fait quoi? Il se redresse, il lève la tête et il attend la rédemption. C'est ce peuple-là qui a dit de lui, il sera heureux. Alléluia. Je vais donner des éléments. Comme j'ai dit ce message-là, je ne vais pas le faire en deux dimensions. Parce que c'est d'expliquer l'éducation qui nous attend. Amen. Et comment le Seigneur nous prépare ces défis-là? Pourquoi les hommes de Dieu? Il a déjà midi. Il va les évoquer quand le Seigneur nous fait grâce. Il rentre en service. On va arrêter. On va parler de ça. Alléluia. Alléluia. Bon, je vais faire mon Zacharie un peu. Amen. Regardez un peu d'exemple. Pour comprendre que Michael, là, les gens qui t'avaient vu là, ce n'était pas des anges. C'était vraiment l'esprit. Des anges, des hommes. Amen. Regardez ici. La Bible nous enseigne que l'homme que Dieu a créé, il a fait le peuple imprimé aux anges. Dans le règne de la création, si on prend les hommes, le règne primaire, le règne de Adam, il a fait antérieur au règne des anges. Amen. Donc, on a Adam, le premier Adam, et on a les anges. Ils étaient bien avant Adam, les anges, esprit. Donc, les deux classes différentes. Mais quand ce soit Adam, quand ce soit les anges, ils n'étaient pas l'image de Dieu. Ils ont des ressemblances par rapport à Dieu. Amen. La nouvelle création dans Jésus. Amen. Quand nous parlons de croyants, nous sommes en train de parler d'une autre création qui est au-dessus des hommes, Adam, et qui est aussi au-dessus des anges. Mais cette nouvelle création, dans le pas déjà ailleurs, c'est nous de croyants en Jésus-Christ. Amen. Cette nouvelle création-là a beaucoup de similarités, beaucoup de ressemblances avec le premier Adam. Que vous sommes. Alléluia. Nous prenons l'image du premier Adam. Mais voyons loin. Parce que cette nouvelle création-là a des attributs que le premier Adam, que le premier Adam n'a pas et ne peut même pas avoir. Ce qui est glorieux a des attributs que même les anges n'ont pas. Cette nouvelle création, de la façon dont elle le fait, elle ressemble à des hommes comme nous, elle ressemble à des anges comme nous. Comme on a piqué aux anges, angéliques, aux anges d'esprit. On n'a pas une dépeur. La nouvelle création, là, elle a des similarités comme des anges, et même plus que des anges. Si on ne comprend pas ça, quand on ouvre l'Apocalypse, on fait tout de suite. On va commencer à avoir mal à la tête. Oh, tu n'as pas mal à la tête. Alléluia. La nouvelle création, elle a les caractéristiques des anges, mais au-delà des anges. Prenez quelques versets. Prenez quelques versets. Il va aller les lire. Les versets qui me viennent à l'esprit.
Maintenant, Galate. Galate 4, verset 14. Eh bien, ne peux pas, ma chère, vous n'avez témoigné ni mépris ni dégoût. Vous m'avez au contraire reçu comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Alléluia. Ici, là, Paul dit, les Galates l'ont reçu comme quoi? Comme un ange de Dieu, comme Jésus-Christ. Mais c'est pas qu'ils se comparaient aux anges. Ils se comparaient aux anges, mais pas nécessairement aux anges esprits. Parce que lui-même l'esprit est un ange. Ah, ça vous me suivez. Quand on voit l'Apocalypse, et puis le Seigneur commence à parler de ça, regardez bien ce qu'il dit. Il dit que faut parler aux églises, non? Mais il dit quoi? À l'ange de l'église de Philadelphie, de Sardes, ou de ceci, de cela. Mais vous pensez que ce Seigneur parle aux anges esprits? Non. Parce que l'évangile, l'œuvre de la rédemption, la Bible dit que ça concerne les hommes. C'est la raison pour laquelle le règne a venu, le règne de Dieu, l'évangile du règne de Dieu, ça a été compris aux hommes. Pas aux anges. C'est vrai qu'il a pu participer à la chair au sang. Pour qu'on puisse avoir les bénéfices de la rédemption. Donc quand il dit ça, dans la parole à l'ange de l'église là, il parle vraiment aux anges comme l'église là, aux gens comme les Paul là, ceux qui sont les gens des ministères, qui sont, j'ai envie de dire, qui ont la... qui sont dignes de faire le travail. Il dit que c'est le mystère des étoiles qui sont dans la même droite. Ce sont les anges. Amen. Dans la création, là, les hommes, ce ne sont pas les hommes seulement. Ils sont plus que les hommes. Alléluia. Et à un moment donné, on va penser même que ce sont les anges. Parce qu'ils ressemblent à des hommes dans leur façon de faire, dans leur exercice, dans leur ministère. Mais ils sont plus que les anges. La Bible dit que les anges eux-mêmes, ils s'approuvent le de la rédemption. Toi qui as besoin de comprendre les sons, qui as besoin d'aller à l'université, ou même d'aller à l'université, tu as besoin de comprendre les sons. Tu as besoin de comprendre les sons. Tu as besoin de comprendre les sons. Tu as un problème. Tu vas aller chercher quelqu'un qui est devant toi. Donc, si les anges ne comprennent pas, ce n'est pas les anges qui vont nous faire entrer. Vous comprenez? Alléluia. Quand on commence à comprendre, à réaliser que la vraie personne, ce n'est pas les hommes saints, ce n'est pas les hommes en Adam. Les hommes en Adam, on ne dit pas. Les écrits disent que, et je vais terminer là-dessus, les hommes en Adam, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils sont? C'est une âme vivante, qui a un esprit et qui est dans un corps. Ça, c'est le homme en Adam. Mais l'homme en Jésus peut aimer Adam. Il n'est pas une âme vivante. Il est un esprit vivifiant. Il y a un corps et il y a une âme. Donc, ces deux types d'hommes vont apparaître. Et ce type d'homme-là, dans sa façon de faire, dans sa façon d'être, il est soutenu aux anges. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est en train de le simplifier, de le récréer, de le créer. Il nous donne des attributs qu'il n'a pas donné aux anges même. Monsieur, c'est pour cela que dans Éphésiens 3, le verset 10, il dit que la sagesse de Dieu là, sera enseignée même aux esprits dans les cieux célestes.
Mes amis, la nouvelle création, il ressemble à des gens dans la façon de faire, il ressemble à des gens dans la façon de faire, mais ce n'est ni des hommes d'Adam, ce n'est ni des hommes esprits. Ce sont des anges divins. Pourquoi dans le même temps, parce qu'il y a un petit problème différent. Il y a bien des versets, il y a plein de versets là-dessus, et puis on va prendre les individus pour établir le fait que il y a la nouvelle création. Et la nouvelle aussi, dans leur fonction, dans leur corps, dans leur manière d'être. Et c'est eux qui se tiennent devant le trône du Seigneur. Alléluia. Ils se tiennent dans la présence du Seigneur. Je voulais lire les versets dans un carré. Mais la vie, c'est une réalité que Dieu est en train de faire avec la nouvelle création. Cette nouvelle création-là, c'est être dans le contrôle pendant les 1000 ans. Et donc, Dieu va lui enseigner tout ce qui est nécessaire qui pourrait être nécessaire. C'est le type d'âme-là qu'on dit que Dieu est le et le sacrificateur. De nous mettre des sacrificateurs, des rois. C'est Dieu qu'on dit ça. Alléluia. Ce sont des rois et des sacrificateurs. Ce sont des anges. Dans la carrière, 12, la fait 8. Il y a 1000% de prophéties ici. En ce jour-là, l'Éternel protégera les habitants de Jérusalem. Le plus faible parmi eux sera dans ce jour comme captif. La maison de Dieu sera comme Dieu. La maison de David sera comme Dieu. Comme l'ange de l'Éternel est mort. Ce n'est pas nécessairement deux types d'hommes. Il est dans l'un qui est blessant. Dans l'un côté qui ressemble aux hommes, ils seront comme David. Mais David, même dans la famille des hommes, n'est pas lui. David était puissant. Mais le plus faible, dans le sang de David, si on voit la similarité par rapport aux hommes, mais quand on regarde la similarité par rapport aux anges, le plus fort là, c'est que Dieu soit comme l'ange de l'Éternel. La nouvelle création là, elle est divine. C'est un esprit divin. Ça veut dire qu'il a la vie en lui et il a la capacité de donner la vie. Ça là, Adam n'avait pas senti. Adam avait la capacité de donner la vie. Maintenant, on n'avait pas la vie. Avant la vie en lui-même. C'est que ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de vivre un Seigneur pour vivre. Or, cette nouvelle création a la vie en elle-même. Et qu'elle a la capacité de donner la vie. C'est ça que le Seigneur nous a dit. Donc, quand on connaît le statut de cette création-là, quand on connaît les caractéristiques de ces anges-là, et qu'on dit, Michael est ces anges, ce ne sont pas des petits. Je parle des petits. Je m'arrête ma vie. Que le Seigneur nous fasse découvrir toutes les choses qui appartiennent à notre statut, à nos attitudes, en tant que nouvelle création. Afin que les filles ne comprennent pas dans laquelle on est engagé là. On est une clarté de vérité du livre des guerres de l'Éternel. Et que la pensée de Dieu sera parfaite en nous là. Il n'y a pas de perte. Le Seigneur n'aura pas besoin de s'envoler lui-même. Nous avons volé. Le Seigneur s'envole lui-même parce qu'il n'a pas confiance à ceux qui l'ont envoyé. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans une nature, quelqu'un qui a une différence, une fait dans l'exercice que Dieu veut faire. Mais cette nouvelle création, parce qu'elle va grandir, va s'élever à un niveau comme Dieu. La perte de la pratique. Donc, Dieu aura confiance en nous. Et puis, tu vas dans le monde. C'est glorieux pour nous. Donc, bien. Et là, on paye.